Papa des Salino, c'est un réel plaisir pour moi quand il va y avoir un mouvement des soleils, tellement que moi content. Côté que nous avons des promotions là, et depuis 79 à 2008-2010, qui réunit nos mêmes événements. Côté que nous tous avons fêté ensemble, nous avons pris des blagues, nous avons raconté des souvenirs qui viennent de plus de 30 ans. Mon cher, je vais vous m'exprimer. Sincèrement, c'est un bagage que nous devons continuer à faire chaque année pour nous montrer la solidarité nous avec les gens qui sont en bas. Et son soir, côté que nous avons porté soutien, nous, mais côté que nous avons créé nous avec des amis que nous n'avons pas longtemps, qui sont pratiquement famille nous. Qui ça nous attend qui est sorti de soirée ça, aujourd'hui? Mais objectif n'est pas l'autre. C'est que nous arrivons à réunir des fonds pour nous aider les gens en bas. Parce que d'ici Jean-Jacques, de Saline, nous avons un état déplorable. L'objectif soirée, c'est récolter le plus de fonds possible côté que nous prenons pour tes mains fortes à Timonio en bas pour nous aider à gagner une meilleure éducation. Qui ça s'appelle Timonio pour nous aujourd'hui? Bon, nous avons dit Gary ça déjà et nous sommes devant et c'est nous qui sommes supposés prendre l'initiative là, bon, Gary prend devant et moi c'est son groupe d'avoir qu'à faire. Il permet de nous réunir ensemble, il y a nous battre depuis tout le temps. Le groupe ça permet de nous réunir ensemble. Et le groupe là, les intouchables. Bon. Et d'ici à nous, une famille. Et que nos bonnes initiatives pour famille ont toujours été. Et moi, c'est la continuer. Plus de 25-30 ans, nous ne sommes pas croisés. C'est une, bon, c'est son deuxième. Moi, ça a bien tant d'autres. Après, j'ai plus d'élèves toujours, plus anciens, camarades, capines, nouveaux et anciens. Et nous comptons nous être à tous les amis, frères, nous, sœurs, nous, là, qui là, nous comptons un peu. Et nous souhaitons l'année prochaine avoir plus de monde. C'est toute promotion confondue parce que moi-même, on fait partie du comité. Moi, c'est un conseiller dans le comité et on a la même promotion à Gary. Ça veut dire que nous réunissons, même promotion de 79, c'est nous tous qui réunissons ensemble parce que nous voyons que faut nous mettre tête ensemble pour nous faire le lycée avancer. Parce que nous avons gardé dans l'état lycée. Et on regarde les lycées seulement qui va reconstruire. On a construit une force de pression pour nous faire l'État faire travail pour les lycées capable reconstruire. Donc nous demandons pour tout le monde de comprendre que les lycées ont un paquet de monde. Là, on a un bon de collègues qui ont moyen de possibilité pour nous arriver là. On a payé les lycées à bac de samedi déjà. Donc je pense que si nous avons un ouest en affaire, nous sommes supposés pour me lever pour avancer à l'État. Les lycées ont un moyen pour avancer. Je suis content de tous les anciens camarades de classe. Les gens qui étaient avant nous, qui étaient après nous, que nous sommes contents de réunir ensemble avec eux aujourd'hui. Je suis très content que je sois là ensemble avec tout le monde. Nous tous dans les lycées, nous connaissons les conditions de l'éducation et le pays va de mal en pire. Et nous connaissons qui gros catastrophe qui passe dans qui est en lycéen. Eh bien, les gens qui derrière ont besoin. Ils ont besoin de support. Il y a besoin d'encouragement, il y a besoin de l'amour. Et je dis là, soyons là, je dois dire son manifestation de l'amour, ça a été là, côté des gens qui ont longtemps pas de des gens qui ont passé par le temps avec eux, c'est la joie des retrouvailles, c'est compliment pour le comité. Et nous avons souhaité que vous fassiez un bagage qui est annuel, chaque année, nous avons côté, nous sommes capables de. Et ceci, par renforcer non seulement le lien. Avec un CLR, lycéen, qui est de tous côtés. Ensuite, ça permet à tous les petits gens qui sont derrière, capables de profiter de toutes les compétences que nous avons dehors et permettre que les lycéens soient capables de côté le supposé parce que ce n'est pas normal pour les lycéens qui sont le père fondateur de la patrie, pour le côté de l'État. Ce n'est pas normal.
c'est vraiment déplorable. Nous avons aimé que l'éducation que nous avons prendre une atmosphère qui est plus ou moins agréable. Pour au moins commencer à goûter avec le goût du beau. Pour que le changement a commencé à partir de là. Nous souhaitons que tout le monde comprenne et que tout ancien élève lycéen, parce que pas imaginez que le lycée a entre 3 à 5 000 élèves par année. Donc, ça veut dire que nous pouvons rejoindre un canne ancien élève. Et nous voulons toucher tout le monde. Parce que si nous touchons tout le monde, 10 cop, 5 cop, 20 cop, nous capables de faire un bagage qui est significatif pour étudiants nous gagner qu'on y a dans le lycée. Have your fire sign, you can sit anywhere you want. If you see empty spot, just sit there. Figure que mon Dieu, ça fait 30 ans que nous parlons. Depuis moi-même pour eux, c'est 93. Donc c'est un retrouvaille. En plus, le fait que nous avons un bagage qui est positif pour l'ICA, côté nous allons aider, nous allons longer mes bails, les gens qui sont capables, c'est un premier lien et c'est pas mon dernier. Donc nous comptons, soirée après le bien passé. Et de toute joie, nous connaissons l'autre. Les gens qui parlent, les gens qui sont en Haïti, avec l'autre qui n'est pas venu, ils vont suivre nous. Ils sont ensemble avec nous là. Donc, nous comptons en pile. Et puis, nous disons tout le monde bienvenue. De building. Nous connaissons haïtiens plus fiers que toute notre nation. Ingénieurs yo passé, messieurs yo, élèves yo pour ingénieurs yo, yo monté dans rue Audin avec yo passé pour canapé vert. Yo arrivé devant building hexagone dans Pétionville. Et puis professeur yo dit waouh, quelle belle construction. Combien de temps yo prend pour yo construire ici dans Haïti? Une élève lui dit un an.
Professeur, regardez les deals. Dans le pays, c'est 3 mois que vous pouvez construire ça. Haïtien va dire là. Il descend sous Delma, il arrive devant son GPOC Delma. Il dit quelle belle construction! Combien de temps vous pouvez pour construire ça? Haïtien dit 1 mois. Il dit dans le pays, c'est 3 jours que vous pouvez faire ça. Il y a 2 élèves, regardez. Il descend le champ de masse, il arrive devant le palais national. Wouh! Le blé était époustouflé. Il dit quelle belle construction! Combien de temps vous prenez pour construire? L'élève l'a dit, mon blanc ne pas connaît, mais nous avons monté à l'autre prophète. Avec vous, monsieur Yves Lafortine, applaudissez s'il vous plaît. Je crois qu'on commence ce soir avec la querelle des anciens et des modernes. Justement en littérature, surtout en littérature française, quand vous êtes en réto, il faut commencer par cette débâcle au niveau de la querelle des anciens et des modernes. C'est Charles Perrault, justement. Non, mais je ne suis pas au lycée. Je vous remercie de m'avoir choisi pour être le maître des cérémonies de ce soir. Et le cérémoniel m'a pris au collet dehors. Là, en toute cérémonie, je vous dis merci et quel honneur. Quand j'ai entendu Mildred parler, je me suis dit que j'ai fait du boulot, j'ai travaillé, comme Voltaire l'avait dit, ou bien j'ai fait un peu de bien, c'est là mon meilleur ouvrage. C'est au lycée Jean-Jacques que j'ai eu des amis, qui est devenu mon beau-frère Vladimir. Et c'est le lycée Jean-Jacques qui aussi m'a donné la femme avec laquelle je me suis marié. Voyez-vous, je suis féministe. Je ne dis pas ma femme, comme je dis ma voiture, ma chemise. Je dis la femme avec laquelle je me suis marié. Pour tous les féministes, dont moi-même, on applaudit. Encore une fois, merci pour l'honneur qui m'a été fait d'être choisi pour être maître des cérémonies. On est un peu bousculé par le temps. Le programme demande, on veut que, en tout premier lieu, que l'on ait ce qu'on appelle un sharing moment. Ça veut dire qu'il y a des étudiants, des élèves du lycée qui ont des souvenirs et qui voudraient bien partager ces souvenirs de sorte que tout le monde entre dans le bain de la fête de ce soir. Donc, on va commencer très rapidement. Quand je suis allé enseigner au lycée Jean-Jacques, ça c'est Black Pam, j'ai rencontré 2 anciens collègues de l'école normale supérieure. Mais pas oublier qu'à l'époque, pour faire cool, l'école normale supérieure, il faut fort. Donc toujours qu'on challenge un tel fort Renol, Jacques Yvon Pierre, avec François Yves Lafortune. Chaque 2 heures, tel fort campé devant classe là, donc on est obligé de faire courant. Avec plus, plus véhémence, ça devait dire avec, d'accord, de manière plus accurate. Et puis, mais il arrive que depuis le matin, je saute l'école normale, pendant la faculté de droit, mais nous faisons coup. L'homme sorti pour me prendre ma chaîne, moi, c'est 2 élèves qui étaient portés parce que je ne vais pas manger. Donc, et chaque homme passé pour le lycée Jean-Jacques, c'est souvenir ça me gagne. Et puis, moi, je pense que mon métier pour être professeur à l'école, son métier qui dure, et à tous les professeurs, et à tous ceux-là, je pense qu'il y a des élèves qui sont devenus des professeurs. Peut-être au niveau de la médecine, je voulais parler de la dernière personne de qui j'ai parlé tout à l'heure, celle qui est devenue la femme contre laquelle, avec laquelle je me suis marié. Et elle a été professeure à la faculté de médecine comme interne qui enseignait aux externes et ensuite à l'Université Notre-Dame. Donc, ces gens-là, je vous demande pardon. Je voudrais aussi que vous applaudissiez très très fort celui-là qui a fait un travail de titan au lycée Jean-Jacques. C'est pour la première fois et ce n'est pas la seule fois qu'un censeur soit l'ami de tous les élèves. Applaudissons, monsieur Whitney.
comme dire, c'est sans embâche, c'est le seul censeur qui pratique le kiamat béni, castigat béni, avec douceur et avec candeur. Je voudrais bien que le ciel me donne le don de Whitney François, parce que là, il est toujours d'un calme, il a toujours les oreilles attentives. Donc vraiment, les applaudissements de la toute dernière fois ne suffisent pas. Allons faire beaucoup plus de bruit. Merci. Bonsoir. Première rencontre moi avec Mère Whitney. C'est pas ton bébé. Parce que jour ça, c'était jour que Georges Lyons, qui était ancien censeur lycéen, était transféré. Et dans pile élève qui était attaché avec Lyons, qui était mécontent jour ça, et parmi lesquels moi-même. Et nous sommes jetés mon ballon, nous avons voulu mettre la vinyle pour un ballon. Nous prenons boîte de Juna, nous continuons à jouer toujours, parce que j'ai déjà sonné pour tout le monde rentrer dans la classe, et là, c'est en cinquième. Ok? Je ne sais pas ça. Donc, M. Lavigne, il prend un boîte de Juna, il dit non, monsieur, rentrez en classe, et puis il voit le pseudo troisième. Et puis nous dit M. Lavigne. Et puis quand il finit de mettre ça, M. Lavigne, il dit vous cinq à la direction. Vous voyez, moi, dans la direction de l'ICA, c'est deux bagages. Voilà, quand même. Ou bien, on va aller étudier qui ça? Si tu veux. Exactement. Donc, quand on est dans l'ICA, poème ça par Rudyard Kipling, ou qu'on aime par cœur. Donc, c'était un moment ça. Mais après ça, par la suite, nous sommes mettre là, toujours à dire non, monsieur, il faut nous prendre ça au sérieux. Et si nous voulons graduer dans l'ICA, il faut nous prendre ça au sérieux. Et toujours avoir une petite pression. Et nous-mêmes, nous toujours à push back. C'est des jobs, nous, ça. Comme tout le monde, toujours à push back. Et à la fin, le nom gradué en philo, c'était Whitney, nous défendons comme parrain de promotion noire, qui c'est promotion 94, Shalom. Et nous sommes que j'ai un monde qui était riche, l'homme de dit promotion Shalom. Non? Et pour moi, ce Charles Noir, c'était dans la période de temps que nous-mêmes, nous étions en philo, Haïti était en bas. Donc, c'était une façon pour nous pour nous projeter la paix que nous avons cherché nous-mêmes dans le pays, hein, pour que nous ne soyons pas obligés de quitter pour aller vivre de l'autre côté. Donc, moi-même, je suis toujours reconnaissant à l'Isée Jean-Jacques, Monsieur Whitney. Et M. Laponcière qui malheureusement n'est pas là, mais c'est ça. Il y a cinq soeurs qui étaient avec dans l'ICA. Et il y a une qui est derrière là, Myriam, il y a Nadej, et il y a trois autres qui sont là. Mais Charles Loyo, soutenez dans l'ICA, pour te connaître nous. Et parce que nous t'en prie. Bonsoir à tous. Le monde qui ne connaît pas Capitaine Piqué devant, c'est Lisa. Eh bien, non, moi, c'est Magali Veillant Moïse. Moi, j'ai fait partie promotion 89-93. Et moi, je crois tout le monde australien là, pour nous montrer, c'est nous toujours commander, nous demander tout le monde australien camper pour nous. S'il vous plaît. That's it. Thank you. Moi, je voulais dire une poésie pour nous aujourd'hui et je remercie tout le monde qui est là avec nous aujourd'hui. Merci. Destinée. Oh, ma destinée sur cette maudite terre n'est enfin que cauchemar et une chimère. Je me vois le corps perdu et l'âme dans l'ombre. Cherche en vain le bonheur, la vie et l'amour. Ma destinée plane
vers un horizon sombre où tous les jours me resteront tristes pour toujours. Oh Dieu, ma destinée est-elle sans issue? J'ai connu tant de misère, tant de souffrance et tant de déboire dans un monde perdu. J'ai vu dans l'ombre et dans le silence. Laisse mourir, car je le regrette de mon âge. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Roger Chéri. Tout le monde connaît son nom, Thierry Roger. Moun que moi aujourd'hui, si c'est pas Hilaire Labossière, François Rémy, je ne moun ça aujourd'hui. Alors, nous tout qui là, moun que moi aujourd'hui, si c'est pas deux personnages là, monsieur François Rémy, son est comme si, qui moutou l'étoffe. Mais c'est pas vrai du tout. J'en ai qui zambi tout élève. Il est là aussi à lui-même. C'est comme si l'on est venu, on ne tient pas étranger. Et puis il dit, ok, ma pas là, oui, c'est comme ça qu'il est. Il a accepté comme ça. Mais à cause de monsieur ça, François Rémy, il est là aussi. J'ai comme des dit à l'heure. Moi, merci un peu. Monsieur Rémy. Merci. Il y a un pile de monde, un pile de professeurs qui étaient dans le monde dans nous-mêmes, c'était comme perdu. Parce qu'en Haïti, l'on n'a pas assez de conseils de bagaille qu'on a fait et qu'il y a trop de vagabonds. Même histoire pour qui malice là. T'as pour qui c'est lui-même qui n'est pas là. Alors que parce qu'elle était honnête. Il était mieux fait plus que Philo parce que son est honnête et malice qui était honnête. Mais cependant, je veux dire là, si nous avons monsieur ça, il y a un homme qui contribue à l'année, c'était Maître Whitney qui était toléré nous. Parce qu'à l'époque, s'il te mettait nous dehors dans le lycée, au moins je dis, on était capable de nous moyer. Si on était capable de nous moyer, et nous-mêmes tout qui là. Et sur ce, je remercie le comité, malgré toutes difficultés, en pile valet, nous gourmets, nous jouons entre nous, mais en soi là, nous accouchons ça. Bravo. Moi, je voulais dire un gros coup de chapeau pour vous amis qui l'ont dans le fond de campé. Ça ne va pas être parce que les gens retournent, ça finit de passer. Barré, je dis Salvador, moi, je dois faire un petit problème, mais vous êtes tiré, un petit plus, un petit moins, c'est pas pour vous. Je dis, je dis, vous êtes sous ça? Je dis, oui, je suis sous ça. Et puis, je suis habité à Boston, je suis dit, night, ça, on a fait sous Doka. Je dis, Bado, on va applaudir pour vous, Bado, pour nous. Si vous avez la vie, vous avez la vie. C'est sûr, vous n'avez pas fait l'applaudissement, vous n'avez pas. Je suis John Fitzgerald Brésignac, réfugié à New York depuis tantôt 26 ans. Je fais partie de la promotion 79-86 de Roux. Une promotion sui generis qui se veut, à juste titre, être la figure de proue des activités culturelles et récréatives au sein du lycée de l'Empereur, le lycée Jean-Jacques Dessalines. Ce soir, j'ai l'insigne honneur d'être le porte-parole d'une frange de cette promotion dont la création ne date pas trop longtemps. Ayant découvert l'existence de ce club par le truchement d'un ancien lycéen, aussi avons-nous décidé de communier nos efforts en créant cette synergie qui nous conduira à coup sûr à la concrétisation de ce rêve qui paraît un peu utopique. Si l'éducation est la pierre angulaire de tout processus de développement, nous sommes condamnés à emboîter le pas à cette pensée d'Albert Camus, quand les élites trahissent, les sociétés meurent. Haïti gigote dans un fossé douloureux, entraînant ainsi toutes ses composantes, ce qui interpelle au plus haut point la conscience d'un nombre infime de citoyens conséquents comme vous, qui avez pensé à prendre cette initiative dont la noblesse frise le sacerdoce. Pouvant ainsi que vous êtes plus que déterminés à endiguer les vagues d'incohérence, d'incompétence, d'animosité,
d'obscurantisme paralysant ayant entraîné notre cher Haïti au fond de l'abîme. Votre geste est un message retentissant, au moins scrupuleux, au plus audacieux. Dont l'initiative des actions devrait en principe être l'apanage de vous. Ce n'est pas juste qu'après avoir produit ces intellects de belle eau, tel un Jacques Robert, un Gary Pierre-Paul Charles, un Nancy Rose Bézignac, un Johnny Darius, que, pour ne citer que cela, bien sûr, que l'alma mater, son établissement, soit dans cet état lamentable. Notre présence ici ce soir ne réside pas seulement dans la participation à ce gala, mais soyez rassurés que la participation pécuniaire va être mise en exergue dans un proche avenir. Bravo, messieurs, nous allons marcher ensemble. Mais notez bien, beaucoup d'échecs viennent de personnes qui n'ont pas réalisé à quel point elles étaient proches du succès lorsqu'elles ont abandonné. Merci. Je suis ému par ce discours et surtout par la complexité de cette dimension dialectique qui sied dans cette salle ce soir. Quand il y a des promotions de longue date qui reviennent ici comme pour témoigner de leur attachement à leur alma mater. J'aime que le lycée Jean-Jacques le fasse. Moi, en tant que professeur, alors je fus professeur au lycée Jean-Jacques de Salines, je pense que c'est très intéressant. Ça annonce que le lycée Jean-Jacques de Salines va être debout dans les jours à venir, j'espère, parce qu'aussi longtemps qu'il y a des hommes, on peut penser à gouverner la Rosée. À Jamaïliou, on se réunit, on a construit l'école, même si ce n'est pas cette école que j'avais souhaité qu'on reconstruise. On le fait à Saint-Louis-de-Gonzague, Richie le fait chaque année pour le Collège Notre-Dame. Donc c'est bien que vous le fassiez pour le lycée Jean-Jacques Dessalines. D'autant que si quelqu'un vous dira un jour qu'il veut appliquer la constitution de 1805, sachez que jusqu'à présent, c'est la meilleure constitution qui a été écrite en Haïti, la constitution de 1805, celle de Jean-Jacques Dessalines. Applaudissez-vous pour que l'école revienne. Maintenant, c'est le tour du président de l'association pour présenter le comité, autant que je me rappelle. En attendant que le président gravisse l'estrade, c'est pas grave. Nos sénateurs ont fait des choses, hein. Donc, c'est le président qui va venir présenter le comité. Enfin, parce que nous avons essayé de mélanger le Collège Notre-Dame, classe qu'il a, nous avons une blague sur El Pozo. El Pozo, c'est une figure guitariste parce que, alors, l'on intellectuel, Gary Tap d'accord avec nous, il faut qu'on ait une culture. Est-ce qu'on connaît des musiciens de Vice qui ont gagné qui a joué avec Coupé Coué, il y a un flandeur dans Coupé Coué qui n'est pas capable de jouer guitare, et puis il y a monté sur guitare Coupé, il n'est pas capable. Donc ça veut dire, El Pozo, tu es joué dans Coupé Coué. Donc El Pozo, son guitariste, expérimenter notre expression, c'est Laurent Cicero Magdam Ben, qui te dit, qui connaît un adjectif ça. El Pozo, son gros guitariste. Mais, moi-même, El Pozo, connaît moi, j'ai 18 ans. Maman petite El Pozo, c'était un ami d'enfance. Et puis El Pozo, un bel petit garçon,
Depuis le web, il volait sur moi. Et puis chaque fois que je sorti aux États-Unis, je toujours porté valise pour lui. Mais elle pose pour moi, je ne sais qui est ça. Et puis son là, elle pose au web et puis nous parler. Mais je me fais 30 ans presque que je ne sais pas. Et puis semaine passée, quand je suis en je n'ai plus bon ami qui a présenté mais elle pose. Qui est bon ami ça? C'est le docteur Thomas Lalim. Thomas Lalim d'après une jeu guitare ensemble à El Pozo. Et puis Thomas dit, Yves, ma présente El Pozo. Il dit, monsieur Pozo. Il dit, Pozo, est-ce que son chien tel? Pozo, sorti sous stage là, côté classe table jouée. C'était Amazuga. Il dit, oh, ça se pas grave. Pozo, je suis content. Oh. Lycée Jean-Jacques, pas de travaux pour El Pozo. Et qui est le président du comité qui va délivrer le discours de circonstance pour présenter le comité et ensuite pour qu'on passe au buffet et ensuite pour danser E.A. E.A. Bonsoir tout le monde. Moi, tu es président et un comité qui t'a fait 20 2022. C'était à Boston. Après Yvette Lan, c'était un sous-comité qui fait Yvette Lan. Mais après, on a dit que faut nous faire un comité normal qui pourra gérer le JD. Parce que ça qui est là, nous ne pouvons pas gérer. On a trouvé nos situations. Si nous sommes entraîneur Brésil, scolari, en 2002, il dit, le livre l'investir Brésil là, il dit, par contre, ça ne va pas dire. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont investi dans l'équipe ça, 2002? Ronaldo, Ronaldinho, Kaka. Nous jouons l'équipe ça, ouais. Eh bien, c'est la situation que ça me trouvé. L'un des besoins, faire comité pour te gérer coalition. L'idée prend temps pour me faire choix, parce que je suis président sortant. L'un des chiffres, ça me dit en pile monde. En pile monde, tout, pas de répondre, président. Mais les gens que j'ai choisi, j'ai dit, moi choisi et fait que dit oui que y a plein. En premier lieu, j'ai choisi actuel président. Non, pas président. C'est coordonnateur général que nous relève le CG. C'est monsieur Gary de Séjour. J'ai demandé pour m'applaudir. Appelle tout avec Jesse qui l'a avec nous. Et tout le monde qui a accepté de faire partie du comité ça. L'autre monde qui a choisi, c'était Ebi Kayo qui l'a. Nous avons demandé Ebi Foutika. Et nous avons choisi tout de Léonard, ceci. Magali Buya. L'infatigable. L'aime dit l'infatigable. Et qui te rejoint le comité à très tard. L'infatigable. Demandez nous font un petit campé, s'il te plaît. Pour nous capables d'applaudir madame ça. Ils sont piliers parmi nous. Et nous demandons tout le monde comité de passer devant, s'il te plaît. Ebi, Léonard, Jesse, CG, Magali. Madame Sanouela, Madame Midrette, c'est l'infatigable. C'est ma maman, son fils est venu, mon fils est venu, mon fils est venu. Nous gagnons tous quelques mondes de comité qui sont présents avec nous. Nous gagnons M. Ogaville Wagene, qui est conseiller nous, qui n'est pas là. Nous gagnons tout M. Yvent Dessim, qui parle avec nous. Nous gagnons Mme Mirta Maniga, qui parle là. Nous gagnons Natacha Maniga, qui parle là. Ricardo Rimo, qui parle avec nous. Nous demandons, équipe Sanouela, nous travaillons 7 jours sur 7 pour nous réaliser ça qui est là. Nous demandons, Pat, donc, gros bravo. Mettez-vous, 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 mettez-v
dans l'association sportive du Seigneur de Salem. Comme dit que l'association sportive du Seigneur de Salem, c'est une association qui est créée dans le lycée dans l'année 90 et qui a eu tout succès. Noël ici à Bay à l'époque dans le domaine sportif. Nous champions cadets, nous sommes champions juniors. Il faut me dire que l'un champion cadet est cadet. Il y a un petit objet qui est cadet là. Il y a Moran qui était capitaine à l'époque qui était numéro 9. Il y a Saint-Cyr qui est l'équipe cadet là. Et M. Sartre monte une équipe junior là. Et l'une équipe ça, qui a mélangé avec senior là, Tigé Ratier, Casimir Costa, Wiswick, belle équipe. Il faut dire que l'association sportive là, il passait au moins trois présidents. Et dans le premier président de Jaco, Rebel Jacques, il a rappelé que le nous avons Dieu donné comme entraîneur. Équipe là à l'époque. Et puis, dans le comité, à moi-même, Jacques, Fabrice, Descolines, Michel, nous dit que ça a entraîné à Banstéon là, nous n'avons pas pris loin équipe là. Et puis, Jacques dit, Fred, on prend équipe là. Jacques, prend équipe là comme entraîneur, nous mettons entraîné à camper. Je m'associe avec Jaco et puis je suis manager à l'époque. Le ça, quelle que soit l'école qui a joué à l'époque ensemble avec nous, le ça, lycée, dans toute catégorie, et l'époque 90, 93, ou PACA a fait équipe, PACA a fait championnat pour PACA, que soit inter-lycée, ou bien interscolaire, ou bien chef de l'universitaire, ou pas capable d'inviter les Seigneurs de Salis. Parce qu'à l'époque, les Seigneurs de Salis, les meilleures équipes de gagner dans la zone. Même pour filles autour, mesdames et tout. Pour gagner chef de l'interclasse, jouer chef de l'interscolaire avec mesdames. Tu gagnes une belle grandeuse à l'époque, ma brave et Magali. Belle joueuse à l'époque. Et ni dans la sélection féminine, ni dans la sélection junior, cadette ou senior, lycée Jacques Dessalines, c'est des piliers. Et quel que soit joueur qui a joué, ou bien la première division, ou bien la deuxième division à l'époque, ou cadet, ou bien la nationale à l'époque, je ne sais pas, qui a joué dans Baltimore, c'est moi. Et moi, je me suis champion sous Frère Alien, qui a gagné Dimitri Troy à l'époque, qui était l'équipe U23. Cela ferait tout dans Frère Alien changer. J'ai habité tout près de Carrefour. Je dis, Frère, besoin de venir ici Saint-Jacques. Je me dis, ah, si vous êtes venu Saint-Jacques, on m'a méthodisé Saint-Jacques. Parce que nous avons cherché à jouer nous-mêmes. Nous avons pris un jouet. Et puis, Casimir Klostock dit, il était bien en pile à Casimir Klostock. Monsieur le Tima Adona, il a venu là, moi, là, venu. Monsieur en France tout. Donc, monsieur dit, monsieur, que moi, je parle avec, directeur avec. Mais maintenant, le directeur a dit, oh, vous pas fait 10 000 vins de l'école là, fait 10 000 vins de l'essai là. Et puis il me dit, non, les gens viennent lui-même, il me dit, Jimmy, je vais faire une uniforme, ou je vais venir ici. Je dis, c'est vrai, il me dit, bon, on va quitter Frère Adrien, s'il vous plaît. À début, je dis, on va venir ici, vous m'avez dit, mais après, s'il vous plaît. Je dis, ma première matin, je dis, on est ensemble avec le matin de l'école. Vous savez, le lycée Jean-Jacques, c'est la grande famille. C'était la grande famille. Qui c'est Maître Tnik, qui c'est directeur de la Moussière. Ni sport là, sur le plan sportif ou culturel. Stade direction, pas de gain problème avec joueur. Ensuite, une association sportive là tout. C'est gain un barème qui mettait pour les gars. Pour jouer pour sélection, pour niveau cadre, ni joueur senior, faut qu'on fait moyen. Soirée, ça n'est pas possible, n'est pas possible sans nous-mêmes qui là. En nous battant un gros bravo pour nous tous qui répondent, qui courent collectivement.
qui permettent que nous réalisions cette belle soirée. Ça. Notre mission, c'est de promouvoir l'éducation en Haïti par le biais de vos contributions. Bon, j'espère que vous allez contribuer grandement à cette soirée. Vous allez commencer par sortir vos chéquiers, vos pièces de monnaie, l'argent papier, Zelle, Cash App. On va utiliser tous les moyens nécessaires en 2023 pour contribuer à cette cause qui est notre mission d'aider les élèves qui sont présentement, qui vont à l'école dans une situation vraiment, vraiment précaire et difficile. Comme je disais tantôt, le comité a été fondé le 29 août 2022, suite à des élections. Le 1er avril 2023, c'est une date butoir. Nous avons décidé de lancer le gala cette soirée. Après 3 mois, 2 semaines et 3 jours, nous voilà ici. Nous sommes présents avec la famille, nos anciens professeurs, Maître Whitney, GPPC, Gary Pierre-Paul Charles qui est en arrière, nos amis qui sont venus de partout pour contribuer, pour nous aider, pour nous soutenir. Nos collègues, nos anciens camarades, qui nous avons passé pratiquement 30 ans, 35 ans, 28 ans, je ne sais pas combien d'années que nous n'avons pas vu, mais là présentement nous sommes tous ici, ensemble, réunis pour non seulement fêter, mais au moins aussi rejoindre cette cause qui est noble. Un point qui est très important pour nous dans le collectif, c'est que nous cherchons toujours le partenariat. Nous voulons le vivre ensemble. C'est pour ça que vous allez voir ici, il y a la promotion 79-86 qui est ici. Je peux dire même jusqu'à 2010, presque toutes promotions confondues sont ici pour nous aider. C'est-à-dire que nous cherchons l'unité. L'association sportive LJDLA, l'association des anciens de la promotion de Gary P. Paul Charles, Fritz Gérald Résignac sont là. C'est-à-dire, nous lançons un appel solennel à tous les anciens du lycée de nous rejoindre parce que le collectif est ouvert. On ne veut pas que ce soit nous qui prenions de la lumière, mais on veut que c'est ensemble, que notre union puisse nous mener à bon port. Les attentes de la soirée, c'est quoi? Est-ce que vous me dites là pour que ça vienne la soirée là? Je prends 3 opinions. Pour que ça nous la soirée? Pour nous ramasser l'argent. Toujours devant, moi, toujours devant. Je prends 2e encore, moi, si il y a des gens qui ne peuvent pas me copier. Voilà, ok. Attente là aujourd'hui, c'est pour nous ramasser l'argent. Exactement. Ce n'est pas l'argent pour nous embaucher, mais c'est l'argent pour nous supporter l'éducation en Haïti. Nous avons commencé par le lycée Jean-Jacques Dessalines, qui c'est la CAIN. Nous tous qui là, nous avons redevance envers le lycée. Nous réussissons professionnellement. Quand il y a ces moyens, ces moments pour nous bailler en retour, ça que nous déprenons dans le lycée Jean-Jacques Dessalines. Ça veut dire que, à tout l'an aujourd'hui, c'est que tout le monde qui a une belle boussio, nous m'espérons le grand pile comme la donne. Nous allons retirer un peu pour nous venir déposer. Mildred, après pas ouais, banque, on a des gros banques. Hein? Nous allons mettre des banques là, ok, pour tout le monde contribuer dans la mesure que nous sommes capables, ok? Parce que à cette soirée, nous avons un gros fonds de mi qui actuellement qui est ouvert. Objectif là, il n'est pas plus petit que 500 000. Nous connaissons que ce n'est pas nous qui parlons de 500 000. Mais si nous prenons le lien, nous partageons avec l'autre homme, l'autre famille, nous, qui croient dans nous, qui croient dans son mouvement que nous avons mené, mon mouvement que nous avons promouvé l'éducation. M'espérer que l'attente, l'objectif, nous avons joué, qui c'est joindre les moyens suffisamment pour nous aider l'ICR. Parce que nous, tous là, nous avons des souvenirs de l'ICR Jacques Dessalines. Si nous regardons sur Internet, après une vidéo qui a circulé, lycée a vraiment un état déplorable. C'est-à-dire, c'est le moment où jamais que pour nous agir dans ce sens-là. Finalement, il faut que nous
avant que Mildred vienne avec boîte là, côté que n'a pas des monde qui là pour nous venir déposer. N'a pas 10 boîtes comme ça Mildred. OK, pas de cash. Nous avons une machine électronique là. Tout le monde qui a une carte, il va passer la carte là et puis déposer la fête directement sur le compte là. Alain François, côté machine là. Ah, mais tout ça ne va pas dire Alain, je veux dire, vous pouvez pas tout. Bon, de toute façon, si tout le monde est là, nous pouvons tous avoir un téléphone, pas vrai? Nous tous avons un téléphone. Presque nous tous là, pas de monde là qui fonctionne sans téléphone. Nous pouvons aller écrire, nous apprenons ça comme note. Nous avons un compte Zelle, qui c'est caeljjd@gmail.com. Sous Zelle, ça nous est capable de faire promo, nous capable de faire donation que nous gagnons. $5, $10, montant que nous gagnons. Ou bien nous allons sur Cash App. Nous avons une boîte là, volontairement. 2 minutes, on fait, son soir de levée, font lier. Nous allons fêter, nous allons enjoy la classe. D'ailleurs, Maestro, ma base là, mais qu'est-ce qu'il cache tout à Bali? Regardez, mon qui là, si on cache, fait, si on levait le fond lié, on nous prend 2 minutes, on nous fait ça. Et nous disons merci pour l'initiative que vous avez prise.